te remercie, Florian, d'avoir accepté de passer devant la caméra pour la première fois pour Konica Minolta, pour nous parler de notre stratégie RSE, à la fois en tant que responsable des moyens généraux, mais aussi d'ambassadeur RSE. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que tu as voulu rejoindre ce programme ? Pour moi, en fait, c'était la suite logique. Donc, ça fait plus d'un an maintenant que je fais partie du Copil RSE. Donc, être ambassadeur, pour moi, c'était vraiment une suite logique. Et au sein de ce Copil, de ce comité de pilotage de la RSE, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on y fait concrètement ? On se réunit pour fixer des objectifs afin de progresser. Par exemple, là, en ce moment, j'accompagne le responsable de la flotte automobile pour l'installation de bornes électriques sur deux de nos sites. J'accompagne aussi le personnel d'entretien des locaux pour les sensibiliser au tri des déchets. On travaille aussi sur les économies d'énergie du bâtiment. Les économies d'énergie, c'est un thème intéressant. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret ? Bien sûr. On a installé des panneaux solaires sur le site de Carrières-sur-Seine pour l'éclairage de notre parking. Parce qu'on avait identifié que c'était un très gros poste de dépense. Et du coup, là, à l'heure où je vous parle, on a 70% de notre éclairage qui est 100% autonome. Ah, c'est impressionnant. C'est impressionnant comme exemple. Bah, je te remercie. Je vois que tu es impliqué dans pas mal de projets. Donc, je ne te prends pas plus de temps. Et je te dis du coup, à très vite pour certainement d'autres communications sur d'autres projets.